Madame la rapporteure, vous avez demandé la parole, vous l'avez. Oui, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, juste quelques mots. D'abord, à mon tour, pour avoir une pensée émue pour Claude Guilin, qui a beaucoup travaillé sur ce texte et que j'avais personnellement commencé un peu mieux à connaître ces derniers mois. Une pensée, bien évidemment, pour notre collègue Muguette Dini, qui doit nous regarder peut-être, nous écouter. Sûrement, elle n'avait pas souhaité venir en direct assister à nos séances, mais elle savait que, voilà, elle pouvait compter sur certaines et certains ici pour défendre ses propositions qui avaient été, lors du rapport présenté à la commission des affaires sociales, unanimement, ou en tout cas très largement approuvé. Ensuite, tout au long de ces séances, il y a eu voilà, des positionnements, ou en tout cas des prises de position qui étaient parfois un peu différentes de celles exprimées en commission des affaires sociales, mais qu'importe. Moi, j'ai envie de dire, nous y sommes. Je suis confiante, et je sais que le texte qui sort ici est amputé de parties parfois que je pense importantes et indispensables pour l'intérêt de l'enfant en protection de l'enfance et dans l'aide sociale à l'enfance. Mais je suis donc confiante. Je fais confiance au travail de nos collègues à l'Assemblée nationale, mais je fais surtout confiance au gouvernement. Et là, je salue particulièrement Laurence Rossignol pour sa présence, d'abord, son écoute, et puis le travail qu'elle sait faire avec toutes celles et tous ceux qui sont d'une manière ou d'une autre, les professionnels, les anciens enfants de la protection de l'enfance, les élus, quels qu'ils soient, les conseils généraux, bien sûr. Elle est à l'écoute et au travail pour venir compléter, enrichir et améliorer cette proposition de loi. Donc, simplement, monsieur le président, un grand merci. Et puis, pour moi, c'est une belle leçon parce que c'est une première et j'ai pu, du début jusque-là, et ce n'est pas fini, j'en ai conscience, travailler avec vous dans l'intérêt de l'enfant. La parole est à madame Douaneau.